Voir ce que donnent les réglages de son. J'espère que cette fois ce sera définitif. Continuons Master Chef à Heavenly Host. Toujours plus de cuisine, toujours plus de tout. Il y avait une mini coupure internet hier, je ne sais pas comment cela se fait. Mais en tout cas, on est bon. Remets-moi le machin. Voilà. Remets-moi Word Reference pour la trad. Du coup, j'en étais là. J'ai regardé la VOD. On était exactement là. Quand ça a coupé. Cela a beau être un peu simpliste, mais je dois admettre que ça a une saveur plaisante. Ne jamais sous-estimer la nourriture congelée. Sérieusement, pourquoi t'es si fier de ça? Ah, très bien, les juges, c'est le moment de donner un score assez plat. Oui, j'ai changé du coup un petit peu la manière dont on dit le chat. Je suis revenu à quelque chose d'un peu plus classique. Ah bah c'était aussi 35 points. Comme le score de Naomi. Itachiko donne un 5, Maître Yoshikazu un 10, nous les esprits donnons un 7, Mochida donne un 6, et Mizuara un 7. C'est un total de 35 points. Ok, donc pas mauvais alors. Sérieusement? Pourquoi? Comment? Comment cela a pu obtenir un tel haut score? Prochaine concurrente, la chef Shishido. S'il vous plaît. Si vous le voulez. Ah oui. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est de remonter un petit peu le son du jeu. Surtout les voix. Ouais, donc on va les baisser un petit peu. Pour voir. Oui, là on devrait entendre le jeu. En écho. Donc non, il faut baisser. En fait, j'étais à 60, on est d'accord. Ah mais c'était déjà bien en fait, alors. Pourquoi ça me met les commandes? Pardon? Voilà. Pourquoi ça m'avait mis autre chose? Peut-être baisser juste légèrement. Non, le message log. Ouais, ça devrait être bien. Je me demande ce que Mademoiselle Yui a préparé. Vu que c'est une adulte, je m'attends à ce qu'elle ait quelques compétences en cuisine. Et voilà, bon appétit. Mademoiselle Yui a énergétiquement introduit son plat au juge dans un verre. Ou dans une tasse en verre.
Mademoiselle Yui, qu'est-ce que c'est que ça? Pas une salade, c'est une boisson. C'est juste, c'est une boisson de salade. Ah, c'est un smoothie. Oh, allez, t'as juste mixé des légumes ensemble dans le... dans l'appareil... ouais, dans le mix... l'appareil à jus, le, dans le... je sais pas comment on appelle ça. L'appareil pour faire des... le blender. Ouais, le blender. Ouais, tu n'es pas très bien placé pour parler, Kishinuma. Vu que tout ce que tu as fait, c'est... mettre ensemble de la nourriture dans un micro-ondes et appuyer sur quelques boutons. Ouais, mais au moins, moi, c'est une vraie salade. Mademoiselle Lewis pourrait-il qu'en fait, vous ne savez pas cuisiner? Ouais. Eh bien. Mais cette boisson salade, c'est quelque chose de spécial. C'est un choc rempli de nutriments. Utiliser uniquement des légumes frais cultivés, qui ont été du coup mixés à basse pression, à une vitesse de basse pression dans le blender. With an actual millstone doing the blending. Millstone. Normalement c'est un objectif à atteindre, millstone, il me semble. Non, pas millstone du coup. Milestone. Ah, j'ai confondu avec mille milestone. Avec une meule, d'accord, c'est une meule qui a mixé les légumes. Ah, cela contient toutes les fibres diététiques et les vitamines. Fibres diététiques. Ou j'ai un doute sur ce coup-là. Soit traduction. Dont tu as besoin pour une vie saine. Mais sans te casser le porte-monnaie. Pour aucun d'eux. Ouais, pour aucun des légumes. Des apports nutritionnels et légumes. C'est pas mal pour quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. Hein. On dirait une commerciale de nuit. Non, une commerciale du dimanche. Late night, ouais, c'est du dimanche. Très bien. Laissez-nous procéder à la dégustation alors. Du Shikazu l'aimera toujours. Et débile, ne postillonne pas. Avec du jus toujours. Ouais, toujours dans leur gorge. Les juges ont commencé à donner leur appréciation. Or lumpy and gross. Or gross, c'est plutôt dégueu. Mais lumpy. C'est quoi? C'est plein de morceaux? Grumeleux. Ouais, c'est grumeleux et. Gross. Mais gross, c'est bien dégueulasse, gross. Ouais, grossier. Ouais, ben c'est pas génial. Oh, c'était pas bon du tout. Oh, c'est sûr, c'est un jus de légumes. Il a beau avoir la plus grosse, la plus haute valeur nutritionnelle
parmi tous les plats jusqu'à présent cependant. Rappelez-vous, une pression à basse vitesse dans le blender avec une meule, c'est rempli de fibres diététiques et de vitamines dont vous avez besoin, dont tu as besoin pour une vie saine, un style de vie sain. Je pense que nous avons entendu tout ce dont nous avions besoin. À cette fin. Un sujet. Ok. Très bien. Les juges, c'est le moment de donner un score à cette boisson. Oh, Yoshikazu, il a pas aimé. Oh. Eh ben, j'aurais pas cru que les fantômes donneraient le score maximal. Et Lady Sachiko donne un 1, Maître Yoshikazu 0. Nous, les esprits, donnons un 10, Mochida donne un 5 et Mizuhara un 1. C'est un total de 17 points. Quoi? Le grand homme a donné 0 points? Ah, il doit préférer la viande. Ben non, puisqu'il a donné un plus de points aussi, enfin le maximum aux autres plats. Peut-être qu'il aime pas les boissons. Il a dit, une boisson comme celle-ci ne me met pas à satiété. Apportez-moi quelque chose qui me remplisse l'estomac. C'est le cas de le dire. Quoi qu'il en soit, c'est le moment pour la dernière concurrente, Chef Urabe, si vous le voulez. Oula, la musique. Enfin, il était temps. Mon heure est venue. Trembler. Enfin, behold. Soit trembler, behold. Ouais, c'est contempler, regardez. Contempler ma suprême salade, représentant la cristallisation de toutes mes habiletés culinaires. Mais il y a seulement le dressage sur la table. N'aie pas peur, la salade est en chemin. Amy s'est alors excusée pour retourner dans la cuisine pendant un moment. Et quand elle est revenue, elle poussait un chariot à nourriture, qui donc faisait du bruit parce que les... qui faisait du bruit... Ah, quand t'as plein de choses dessus et que ça tremble, ça fait du bruit. Donc un bruit douteux. Au sommet de... sur la rangée numéro 1, la rangée la plus haute, il y avait un de... Lums. Qu'est-ce donc Lums? Des bosses de différentes tailles, chacune couverte avec un tissu. Mais qu'est-ce que... Une seconde, ça m'a l'air atrocement gros pour une salade. À nouveau, je vous le dis, contemplez. Dramatiquement, elle a soulevé le tissu et vous ne voudriez pas croire à ce qui est en dessous. Quoi? C'est un pot de fleurs. Pourquoi il y a des trucs dessinés sur le pot de fleurs? Regarde. Poussant à travers les feuilles, il y a...
des tomates cerises. Très bon les tomates cerises. C'est correct. Pour une salade, c'est important d'avoir le plus de saveurs possible parmi les légumes eux-mêmes. C'est toujours mieux quand ils sont cueillis fraîchement. Et évidemment, ils ont été très nettoyés. Donc, sentez-vous libre d'en prendre et d'en manger autant que vous voulez, à votre guise. Qu'est-ce que c'est? Quand je regarde très 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 proche, ouais, quand je regarde de très près, chacune des tomates cerises a le visage dessiné de la vieille poupée de Lady Sachiko. Elle a pensé à tout, Amy. Mais du stylo, enfin du marqueur sur un légume. Je me suis dit que si je donnais juste des légumes, ça ne reflèterait pas bien mes compétences. Donc j'ai décidé de m'amuser avec la présentation. Un petit peu. Le mieux les légumes sont, mieux les légumes sont, plus cela convaincra même les plus petits enfants qu'ils sont amusants à être mangés. Après tout. Ils sont si mignons. Je les aime vraiment beaucoup. Ouais, je les aime vraiment. Impressionnant. Pouvons-nous échantillonner ces tomates alors? Et débile, ne mange pas le pot de fleurs. Ouais, très bien les juges, c'est le moment de donner un score à ce plat. Mais c'est un pot de fleurs. Ah non, il y avait aussi les feuilles de salade. Un peu d'appréciation. Bordel. C'est Mickey qui a gagné. Ah oui, 48 points. Bah, elle a gagné ce premier challenge, Amy, on dirait. C'est clair. Lady Sachiko donne un 9, Maître Yoshikazu un 10. Nous, Esprit, donnons un 10. Mochida donne un 9 et Mizuwa un 10. C'est un total de 48 points. De prendre quelque chose en tant que simple salade et de la transformer, ou de la tourner en... de lui donner du niveau en élevant le niveau de ses ingrédients. Et alors... What caring for children? Oui, donc pensez aux enfants. C'est la cerise sur le gâteau. Cela prend un degré de créativité et d'originalité qui est véritablement au-delà. Au-delà. Ouais, bon, au-delà de tout. Merci beaucoup. Urabe, je ne me serais jamais attendu à ce que tu sois notre plus grosse menace. Ouais, je pense que... que tu n'es pas un PNJ après tout. Donc Amy a ajusté ses lunettes à nouveau,
attrapant le reflet de lumière juste au bon moment pour leur donner un éclat dramatique. Ah non, le premier round. Et donc se termine le premier round avec la chef Emi Urabe en tant que victorieuse. Indisputable victorieuse. D'un autre côté, sur l'autre facette de la pièce, cependant, le chef avec le plus bas score fut... Moi, pas vrai. Nous allons lui. Est-ce qu'il veut dire que c'est mon moment favori? Le moment de la punition. Quel genre de jeu de la punition as-tu en tête? Pour toi, et si... Mais quoi? Et si nous te mettions, nous te transformions en légume? Ce n'est pas tous les jours qu'une personne peut ressentir ce qu'un légume ressent, après tout. Je pense que ce sera une bonne expérience. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais passer le dialogue tout seul. On va vraiment voir Mademoiselle Yui en légumes. J'ai si froid et il fait si sombre. Où est-ce que je suis? Étrangement, en y pensant, je me sens un peu confort. Ouais, je me sens... C'est confortable ici. Je vais rester comme ça pour toujours. Mademoiselle Yui s'est sentie complètement en paix. Mais alors, le moment suivant, elle a eu la sensation d'être... ouais, d'être... C'est bon, ça a l'air d'être revenu. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être revenu. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on a été déconnecté comme ça? J'espère juste du coup que ça a pas trop coupé. Enfin, je sais pas du tout ce qui aura coupé. Ce qu'on n'aura pas vu. Mais en gros, Mademoiselle Yui était transformée en légumes et d'un coup elle s'est sentie être arrachée de son lieu confortable. Et on se retrouve du coup dans le domaine Shinozaki, dans le village du domaine Shinozaki, qu'on a vu dans Book of Shadow. Un espace tranquille. Stretch. C'est étalé devant elle, c'est tiré devant elle. Elle a été consciente d'avoir été mise dans une voiture qui était maintenant en mouvement. Elle était emmenée quelque part. Où est-ce que tu m'emmènes? D'où vous m'emmenez? Mais qu'est-ce qui m'arrive exactement? Oui, c'est elle qu'elle voit. Je me rappelle avoir perdu au challenge de cuisine de Sachiko. Qu'un point d'interrogation. La tête qu'elle fait. Comment puis-je être ici? Si je suis ici.
je ne peux pas parler. J'ai perdu ma voix. Elle va se cannibaliser, c'est ça? Je pense que je peux juste faire du jus de légumes. Pas vrai? Je veux dire, la salade c'est essentiellement juste de la nourriture comprenant entièrement des légumes. Donc ça devrait toujours compter. Madeleine, lui, a soudainement pu se sentir passer sous l'eau froide. Est-ce que c'est la mauvaise main? Si froid. Mixer une carotte ou deux ne devrait pas être grave. Même si Sachiko est les carottes, elle ne saura jamais. Tu donnes une carotte? Attends. Je suis une carotte? Oui, tu es une carotte. Ouais, bon, je lave et je coupe l'eau. Ma tête tourne. Non, après ça, j'ai... Dans le blender. Le mixeur, voilà. Le son familier du blender, a commencé. Mais maintenant, il semblait d'être beaucoup plus bruyant. And more all encompassing. 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 Qu'est-ce que c'est? D'accord, beaucoup plus près, beaucoup plus encerclant. Au revoir, petite carotte. Profite de ta nouvelle vie en tant que partie d'une délicieuse boisson de salade. Oh non, aidez-moi. Elle a vraiment été mixée. C'est même pas une mauvaise fin. C'est violent. Ok. Allons vers le prochain challenge maintenant. Certainement. Mais avant cela, jetons un coup d'œil au chef toujours en lice. Notre meilleur chef avec le plus haut score, c'est la chef Urabe avec 48 points, suivi par attendez, oubliez tout ça. Où est mademoiselle Yui? Elle semble plutôt fatiguée de son jugement, son jeu de la punition. Donc elle a été emmenée dans une autre pièce pour se reposer. Ou elle a été vue dans une autre pièce. Légumes, je suis une carotte. La pauvre. Round and round the machine. Quoi? Elle doit parler des carottes. Ça l'a rendu folle. Comme vous pouvez le voir clairement, elle est dans un certain état. Lui, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Sachiko a préparé une pénalité. C'est assez
Je ne sais pas, mais c'est très, très clair que les punitions de Sachiko sont quelque chose, sont une affaire sérieuse. Ouais, nous devrions être très précautionneux pour ne pas. Ouais, pour ne pas avoir un score de plat bas. Ouais, bon, le suivant dans la liste des hauts scores après la Chafourabe, c'est. Oh, oubliez ça et bougeons vers le prochain round. J'ai vraiment faim. Mes excuses. Nous allons maintenant passer le reste de ces formalités et procéder directement au second round. Et ils vont vraiment juste faire. Just making this all up. Oui, ils vont juste passer tout ça et. On va juste passer tout ça. Et continuer. Donc, oui, je laisse la parole à ces chères sœurs Maid pour annoncer notre prochain thème. Attendez, nous rodons un peu nos sens culinaires pour le prochain challenge. Oui, le prochain challenge, cette fois, vous devrez faire de la soupe. L'histoire de la soupe est probablement aussi très vieille et intéressante. C'est originaire à la fois de l'Ouest et de l'Est, mais dans différentes formes. Non, je pense que la soupe de l'Est et de l'Ouest partagent la même origine quelque part. Quoi qu'il en soit, ça a été découvert par accident. Quelqu'un avait un pot rempli d'eau et a fait tomber quelque chose dedans, et le reste, c'est de l'histoire. Rien de ça. D'une quelconque manière, est croyable. Ouais, c'est pas crédible. L'esprit qui a décrit l'histoire de la salade semblait un peu plus cultivé et persuasif. De toute manière, vous allez tous faire de la soupe, et vous avez une heure pour le faire. Et à nouveau, nous allons nous procurer quels que soient les ingrédients dont vous ayez besoin. Simplement demandez-nous, demandez et vous recevrez. Oui, donc ça, il l'a dit. S'il y a un problème, il faut le consulter, il l'a déjà dit. Commençons alors, voulez-vous? Que le combat commence. Est-ce que vous êtes prêts? Les cuisiner. Cette fois, les joueurs ont bougé directement, maintenant conscients. The item stake. Ouais, bon, conscients des enjeux. Au moins, Kizami et Iwabe ont bougé. J'ai peur de la soupe de viande. C'est ça. La soupe, hein? Eh bien, la première chose dont j'ai besoin, c'est de la viande.
Viande, ça doit être de la viande. Sans viande, ce ne sera jamais de la soupe. Où est la viande? Montre-moi la viande. C'est Harvester. La soupe, c'est tout au sujet de la sensation dans la gorge et de la richesse, et plus important de tout. On ne saura pas quel est le plus important. Ouais, c'est ce que je pensais. Ceux-là sont déjà dans leur monde, petit monde à nouveau. Mais bordel, pourquoi ça devait être de la soupe? Donnez-moi quelque chose avec un petit peu plus de peps, déjà. Kishinuma, qu'est-ce que tu prévois de faire cette fois? Je n'en ai absolument aucune idée, jusqu'à présent. Et toi? Je ne me suis pas décidé non plus, mais j'ai le sentiment que j'ai une meilleure poigne sur Better Grasp. I have better grasp on what they're looking for. Ouais, j'ai plus d'idées sur ce qu'ils recherchent. C'est vrai? Ouais, durant la compétition de la salade, le plus haut score a été récompensé pour la mieux présentée, pour le plat le mieux présenté. C'est ça? Il l'était. Je veux dire, c'est l'impression que j'ai eue de toute manière. Il me semble que les plats préparés avec une certaine passion et du zèle ont été récompensés avec un plus haut score que ceux qui ont été faits au hasard. Eh bien, je suppose que c'est quelque chose à considérer. Eh, ma salade n'était pas au hasard, bordel. Ah, ne t'inquiète pas, je sais. C'était juste le style Kishinuma. Ah bordel, tu es direct. La manière masculine de cuisiner, c'est rapide and earthy, et j'y mets tout mon cœur. Just as it ought to be. Juste bah, comme ce doit l'être. C'est très toi, Kishinuma. Merci, je suppose. Je pense. Mais comme ça, c'est de soupe que l'on parle. Et tu ne peux pas être si détaillé et orné avec une soupe comme Wabe l'a fait avec sa salade. Donc comment est-ce que tu vas t'imposer? Comment allons-nous nous imposer? Ou comment allons-nous tenir? Je suis en train de me demander moi-même. Quelque chose comme ça, eh bien ce sera mieux de partir avec quelque chose de familier and comforting, ou quelque chose d'acquis, comme se baser sur ses acquis, plutôt que d'essayer de faire quelque chose hors sujet, non pas hors sujet, mais ouais, quelque chose d'incroyable ou original. Ou quelque chose. Non, quelque chose sur le vif. Of the wall, je dirais.
Vos deux... You turn my rest, ou deux... Vous pouvez souhaiter... Vous pouvez peut-être souhaiter de commencer... You two may wish to begin preparing your dish. Ouais, vous devriez mieux de commencer à préparer vos plats. Votre temps est déjà écoulé de moitié. Quoi? Nani? Est-ce que t'es sérieux? La viande. Shundle does be served. Ouais, ne devrait pas être servi rarement. Il y a un monde de possibilités sur le grill. Vous ne connaîtrez jamais. À part. You will never know. You had never known from his perfect experience is hopeful. Oui, vous ne saurez jamais, à partir de sa grotesque apparence, à quel point. Oui, bah, à quel point elle est savoureuse. À quel point elle est très savoureuse. Mais c'est pas Kizami normalement qui est censé préparer un truc que tout le monde veut bouffer. Une cuillère de cette soupe, une cuillère remplie de cette soupe, et je suis certaine que tout le monde qui essayera en sera prisonnier. Il semblait que c'était Kizami qui avait fait le super plat. Ce que je me rappelle, même dans le trailer, on le voit. Enfin, dans le trailer, dans l'opening. Oh. Il semble être en train de faire des soupes très extraordinaires par ici. Hé hey Nakashima, si on ne fait pas quelque chose rapidement, ou bientôt, on ne sera pas dans les temps. On n'aura pas fini dans les temps. C'est juste. Mais quel genre de soupe je devrais préparer ? Miso comme maman faisait, un potage au maïs, sweet red bean, les haricots rouges, sucré. Évidemment, on est sur le chemin de la mauvaise fin, donc déjà on va commencer par une sauvegarde. On va faire ici. On va regarder dans le wiki ce que dit le wiki sur... Je crois que c'était Sweet Red Bean. Soupe sucrée d'haricots rouges. C'est ça. On va quand même voir ce que font les autres choix. Maintenant que j'y pense, nous avons tous géré ce magasin de soupe aux haricots rouges durant le festival de culture, festival culturel. Coach Shadow. C'est parti. Hein. Et cela semble être un sacré carton. Especially, précisément vraiment avec les enfants, avec les petits enfants. Là, nous avons eu beaucoup de petits-enfants qui se sont arrêtés dans notre stand, dans les faits. Je parie que Sachiko en est fan aussi. C'est sucré et délicieux, après tout. Mmh.
Il y a toujours la question de si oui ou non, ça compte en fait comme une soupe. Mais si je joue de manière sécurisée, je n'ai aucune chance contre les autres. Je suppose que la soupe d'haricots rouges, c'est bon, alors... Bon, c'est ce que je choisis. Votre temps s'est épuisé. Une heure est passée. Chef, s'il vous plaît, présentez vos entrées terminées. Enfin, vos plats terminés. Entrée, c'est le plat choisi, l'entrée. C'était sur le fil. On dirait que nous avons tous les deux réussi. Ouais, d'une quelconque manière. Naomi et Yoshiki ont tous deux eu la chance de revenir en arrière et de step back, ou donc de retourner dans le restaurant et de prendre un bref répit, alors que Satoshi et les autres juges étaient menés à leur siège. Satoshi a l'air absolument fatigué. J'espère qu'elle va bien. Attendre ici avec eux, c'est juste trop, beaucoup trop. Sérieusement, je suis à ma limite ici. Les juges ont finalement atteint leur siège. Le choc. Le Satoshi morose. Satoshi choqué et fatigué inclus. Le test de dégustation allait maintenant commencer. Ah. Bien, il semble que Maître Yoshikazu est... Oui, soit plutôt... Il en est un... Wary of waiting. Il a peur de patienter. Ah non, il ne peut pas patienter du coup. Il en a marre. Eh bien, je suis aussi super affamé. Alors, amenez-moi les soupes. Si c'est ce que vous souhaitez, ouais. À votre guise. Nous allons commencer avec... Ouais, notre favorite. Comme auparavant, notre avant-garde va mener la charge... Non, notre avant-garde qui mènera à la charge sera le chef Yuya Kizami. Ah, venez, juge, et testez de la douceur. Non, c'est moi, ouais, de la délicatesse, la douceur de cette soupe savoureuse que j'ai préparée pour vous. Kizami a posé sa soupe sur la table. Avec un, ouais, bah, le même bruit, très très, pas non cérémonieux, ouais. Oui, bah avec un... Voilà. Je l'ai appelé la soupe de viande. Et de nouveau, tout le monde va juste ne rien dire. Comme auparavant, c'était si silencieux dans le restaurant que vous pouviez entendre une mouche voler. Ou une barrette tomber, visiblement. De la viande à nouveau. Je veux dire, je suppose que j'aurais dû
que je l'ai vu en préparer plus tôt. Donc je ne devrais pas être surprise, mais quand même. Cela apparaît comme étant exactement le même plat que vous nous avez présenté la dernière fois. En effet, Indeed, je ne peux pas discerner un seul point de différence. Qu'est-ce que vous dites? Comparé à ma viande émincée d'auparavant, celle-ci nage dans considérablement plus de jus. Je ne vois pas de différence quoi qu'il en soit. Mais ça n'a même pas l'air de jus de viande, comme le jus de viande. On dirait des fluides corporels. Qu'il soit des fluides corporels, le sang ou quoi que ce soit d'autre, ce qui est sécrété par la viande, c'est du jus, c'est pareil. C'est une chose absolument terrible à dire. Il va pas répondre. Quel genre de viande c'est exactement ? La viande, c'est de la viande. Je n'ai pas de réponse au-delà de ça. Mais pourquoi est-ce qu'il est si secret au sujet du type de viande qu'il a utilisé ? Malgré la présence à l'eau, ouais, la présence autorisée de jus additionnel, cela a l'air à mes yeux d'un duplicata de votre entrée précédente. Mais elle dit Sachiko, est-ce que cela ne le disqualifie pas? Qu'est-ce qu'ils appellent Top Batter? Moi j'aurais dit le favori. Non, le frappeur. Non, le batteur. C'est un mot transparent. Vu que Kizami tape, ouais, je vois. Il tape dans la viande, du coup, c'est le batteur de viande. Je n'aime pas l'idée que notre batteur se retrouve disqualifié. C'est ennuyant. Mais alors nous ne pouvons pas juger cela comme une disqualification. Mais nous allons procéder à la dégustation comme prévu. Je peux manger ça à nouveau. Bon appétit tout le monde. Évidemment, Yoshikazu. Je déteste souhaiter ça à Kizami, mais s'il te plaît, et un mauvais score, obtiens un score bas. Donc les joues remplies, enfin swollen, gonflées par la soupe, les juges ont commencé à donner leurs appréciations. Très bien, blah. Ça a vraiment exactement le même goût qu'auparavant.
En effet, indeed, cela l'est. Hein? C'est décevant. Il l'a dit. Il a dit Nani. Nani? Quoi? Présomptueux. Que vous échouiez tous à apprécier la gloire de cette viande, c'est au-delà de ma compréhension. Shikazu est content. N'oublie pas que le stream ne fonctionne pas depuis tout à l'heure, sinon je vais... Ah non, c'est bon. J'étais en train de voir une image noire à la place du stream, j'ai eu peur. Il semble que Maître Yoshikazu prenne du plaisir au moins. Très bien, les juges. Est-ce que vous êtes arrivés à une décision? C'est maintenant le moment de donner un score à ce plat. C'est pas un haut score. Les Sachiko donnent un 3, Maître Yoshikazu un 10. Nous, Esprit, donnons un 2, Mochida donne un 2 et Mizuhara un 1. Ils ont inversé Satoshi et Satsuki. Oh, c'est un maigre 18 points. C'est très... Ouais, c'est très dur en effet. Quoi? Comment pouvez-vous? Être incapable de discerner les subtiles différences entre mes deux plats? In the defiance of the meats. Défiance. J'aurais dit défiance comme en français, mais j'ai un doute. On va voir. Défiance. Défiance. Ah, c'est ça. Défier la qualité absurde de la viande. Vos langues doivent être défaillantes, défectueuses. Mais elles ont vraiment exactement le même goût. Et ça m'ennuie un petit peu maintenant. Dans mon cas, quand l'on devient vieux autant que je le suis, l'on tend plutôt à gérer son cholestérol. Mais c'est un fantôme. Oh, mon estomac! Je ne veux plus jamais manger ça. Vermine, insecte! Avec un score comme ça, on dirait que Kizami va être celui dans la boîte de punition pour le prochain tour. Ouais, sur le banc de touche. Ouais, c'est sûr que j'espère. Ouais, j'espère bien. De toute manière. Ça va aller. Il n'y a pas moyen que toi ou moi je puisse perdre contre une soupe comme celle-ci.
je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait 1 heure. 29 heures de jeu quand même. Et on va faire la save ici, puisqu'on reprendra de là pour voir les différents trucs. Bien. Du coup, retournons à l'écran titre. On continuera demain soir. Espérant que le PC n'ait pas de nouveau une coupure. Parce que c'était quand même chiant. Demain Genshin, qui est événementiel.